là, ça va faire à peu près 5 ans que je suis accro au disque. Bon, ça, j'étais discothécaire, c'est-à-dire que je travaillais dans les bibliothèques municipales en vue de constituer leur fonds. Donc, pendant longtemps, j'ai été client à Croco et j'ai finalement franchi le miroir pour devenir un mercenaire du disque et arrêter de diffuser la musique gratuitement dans les discothèques et finalement me mettre à les vendre. Ce qui est complètement autre chose, mais tout aussi intéressant. En fait, l'une des premières actions que j'ai faites en arrivant à Croco, c'est de revendre, on va dire, les trois quarts de ma collection. J'ai pratiquement plus de discothèques personnelles, et pour cause, en fait, je peux piocher autour de moi ce qui peut m'intéresser. Et de toute façon, j'écoute, on va dire, 8 à 10 heures de musique par jour. Donc finalement, de retour à la maison, c'est plutôt pépère les écoutes, on va y aller mollo. Évidemment, il y a la déformation professionnelle qui fait que quand je me déplace, je ne peux pas m'empêcher, si je passe devant un disquaire qui m'a l'air sympathique, d'aller plonger dans les bacs. Quand je suis en brocante, évidemment, je vais chercher un peu du vinyle. De par ma profession, je suis généraliste, donc j'ai pas vraiment de frontières. Je suis plutôt porté sur tout ce qui va me parler au niveau du rythme et au niveau du corps. C'est plus le rythme qui me branche. Donc, je vais aussi bien être branché par de la no wave que par du blues, par de l'électro, le reggae, le jazz. Donc je n'ai pas vraiment de limite, on va dire. Donc, ça, c'est indispensable. Si on devait vendre uniquement ce qu'on aime, je ne ferais pas un commerce. Donc ça, c'est indispensable. Ensuite, je pense qu'il faut aussi faut me parler de la musique, ce qui n'est pas forcément évident. Alors, nous, à Croco, on est quand même un disquaire essentiellement orienté 70s. Donc, ce qui marche le plus à Croco, c'est les grands classiques. Hein. Beatles, Stones, Hendrix, Dylan, Led Zepp, Joplin. Ça c'est Pink Floyd, évidemment. Ça, c'est vraiment ce qu'on nous demande le plus. Maintenant, on a quelques clients qui sont un peu plus pointus. Et ça va être autour de... En tout cas, dans mon secteur, puisque je m'occupe de la partie anglaise, de la Cold Wave, où là, va falloir aller chercher un petit peu les trucs un peu pointus, un peu oubliés, où ça va être assez intéressant. Ça, il y a des demandes régulières là-dessus, sur l'Indus aussi, où c'est pas forcément évident d'avoir ça en bac. Mais sinon, globalement, on reste sur les choses 70s et sur les histoires, les albums qui ont marqué l'histoire du rock. De toute façon, à Crocodisque, les bacs sont tellement serrés, on a tellement de cams partout que se débrouiller seul, c'est un peu compliqué. Alors, bon, les habitués, une fois qu'ils ont compris la méthode, il n'y a pas de souci. Mais quand tu viens seul pour la première fois, c'est pas forcément évident de te repérer, surtout qu'on n'a pratiquement pas d'intercalaire et que le classement n'est pas toujours évident. Ensuite, évidemment, je vais tenter de savoir ce que tu aimes, ce que tu écoutes, ce que tu connais déjà, essayer de t'orienter vers ce que tu recherches avant tout, et puis pourquoi pas essayer, au passage, de te faire découvrir un ou deux groupes qui pourraient être affiliés. Je pense que avant tout, disquaire, c'est aussi établir une relation avec les différentes personnes qui rentrent dans la boutique, et essayer de fidéliser le client, ça passe avant tout par rentrer dans le personnel. Donc voilà comment ça se passe un peu à Croco, en tout cas ce qu'on essaye de faire. Qu'est-ce que je pense de l'avenir du vinyle? Le vinyle, c'est bien, il faut que ça continue. Comme je disais, c'est un support que j'ai toujours affectionné de par le contexte dans lequel j'ai grandi. Que j'aime toujours autant. Maintenant, je suis pas un obsessionnel, donc je pense que c'est important de diversifier les supports. J'abandonnerai jamais le vinyle, c'est évident, mais je le cantonne à une utilisation bien précise. Donc je pense que le vinyle a encore un bel avenir. Je pense par contre que ça va devenir de plus en plus difficile de trouver certaines choses. Ça va certainement devenir aussi de plus en plus cher. Très certainement que ça risque de s'orienter vers, en tout cas le métier de disquaire risque de s'apparenter à celui d'antiquaire si on reste uniquement sur le vinyle. Donc malheureusement le CD ne marche plus, donc il va falloir trouver une alternative pour réussir à dynamiser un peu le truc, pour que ça reste un peu accessible à tout le monde. Et ça ne me préoccupe pas plus que ça parce que la musique sera toujours là, donc il y aura toujours moyen de vivre pour et par la musique, quoi.